Vol spécial pour Kampala, le lion indomptable quitte l'aéroport de Simalène. Les joueurs et les membres du staff de l'équipe Fanion du Cameroun ont quitté le pays ce samedi au bord d'un vol spécial pour Kampala en Ouganda. Le Cameroun affrontera le Kenya lundi le 14 octobre pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025. Ce match marque le début de la phase retour des éliminatoires. Ensuite, après cette courte trêve, le Cameroun poursuivra son parcours en Afrique du Sud où il affrontera la Namibie. Ça serait le 11 novembre prochain, un mois après ou alors quelques jours après. Les Lions indomptables disputeront leur dernier match des éliminatoires au Cameroun contre le Zimbabwe le 19 novembre prochain. À la fin, les deux premiers de chaque groupe J se qualifieront pour la phase finale de cette compétition au Maroc. Il ne vous est pas échappé que Magrice continue à se plaindre que Monanga n'a pas été intégré comme entraîneur adjoint des Lions indomptables. Et le texte de la FIFA dit que selon les règlements de la FIFA et les règles générales des compétitions de football, l'assistant d'un entraîneur n'est pas habituellement considéré un membre officiel du personnel technique de l'équipe et par conséquent ne doit pas figurer sur la feuille de match. La feuille de match est réservée pour les joueurs et les personnels techniques directement impliqués dans la préparation de et la conduite du match. L'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint, préparateur physique, médecin de l'équipe, le kiné-thérapeute, les responsables de matériel, d'autres membres spécifiques du personnel technique comme analyste vidéo ou tactique, si les règlements de la compétition permettent. Ben là, on demande tout simplement un bon sens, étant donné qu'on sort d'une crise où les velléités ont été affranchies. Je pense qu'elle devait naturellement être de bon ton que les deux parties qui ont fumé le calibre de la paix s'en rendent compte qu'on n'est pas dans une situation normale. Parce que traiter l'affaire comme si c'était une situation normale, c'est finalement nous rejoindre dans ce que nous avons dit préalablement de l'un des personnages dans ce conflit de 2007, Fekafoukle, c'est-à-dire rancunier et voilà, incapable de pardonner. Donc, c'est forcément à cette équipe-là de prouver le contraire. Mais maintenant, Marc Brice, quand tu menaces que tu vas partir et, à cause de cette situation-là, n'as-tu pas peut-être observé que si jamais tu mettais ta volonté en pratique, tu serais là en train de tomber dans le piège qui t'est tendu depuis? Mais tu n'as pas oublié que depuis votre dernier voyage à Kampala, eh bien, au retour, il y a eu fuite d'une lettre de démise de fonction et qui n'a pas tout simplement été signée. Et donc, céder à cette tentation-là, je pense que tu serais en train de sacrifier tous les efforts que tu as fournis ces 6 derniers mois. Et pourtant, tes résultats sont plutôt bien. Bon, là, on va y être là pour parler avec le président. On va y être là pour gagner des matchs. Hein. Parce qu'à ce moment, on peut être sûr presque. On peut continuer. Alors, parce que c'est le moment peut-être de dire ça. Je suis très, très, très fâché. Et je vais dire pourquoi. Il y a Thierry, il y a 2 semaines. On va commencer de travailler ensemble avec Fekafoot. Je dois dire, c'est très bien passé. Vraiment, j'avais peur parce que c'était pas du tout mon relation, le contraire. Le contraire. Et alors j'avais peur, c'était bien passé, tout le monde donne un peu de l'eau dans le vin. Et ça marchait. J'étais étonné. C'était devant le match. Il y a toujours le commissaire de match, tout dans votre joueur, votre liste, ceux qui commencent, ceux qui se lancent sur le banc, mais aussi la liste. Qui sont comme assistants, comme docteurs et tout ça sur la liste. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, de faire une liste et pas mettre mes assistants dedans. Alors je te promets, si ça arrive encore une fois, et c'est une déclaration, j'arrête immédiatement. Hein, c'est un manque de respect surtout pour mes assistants. Mon assistant, il arrête. Il était très clair, il arrête. C'était la honte pour lui. Ce sont les deux enfants qui sont en train de... C'est le quatrième ou le cinquième fois. C'est pas la première fois. Il n'y a pas de raison parce qu'on travaille ensemble. Alors, celui qui prend la décision qui est sur le banc ou pas, c'est moi. Celui qui prend la décision pour jouer le match, pour commencer le match, c'est moi. Alors tu dois respecter ça. Et pas dire, faire des choses derrière mon dos. C'est pas acceptable. Maintenant, je dois parler avec mon assistant. Il est mort. Alors... Ben, si vous observez sur les bananes, il y a ce B-Sport là, il y a ce B-Sport qui continue à s'imposer.
vous aurez observé, certains dans les indiscrétions ont dit que c'est le prochain équipement, c'est des lieux indomptables. Est-ce que vous avez le même sentiment? Ou alors cela relève tout simplement du gossip. Mustapha Wu a rencontré ce matin la jeune femme qui s'était inquiétée pour lui lors de son choc qu'il a suivi pendant le match contre le Kenya. Et vous pouvez voir l'image. La jeune fille, elle est vraiment... elle a l'air dérangée sur cette image-ci. Et moi, j'ai l'habitude de dire vraiment, les femmes sont dans un film, dans la vie, c'est là que c'est compliqué. Si vous regardez bien, c'est parce que c'est l'alliance qu'elle a comme ça à la main. Eh bien, grâce à ça, ça a donné ceci. Et pour moi, j'aime bien dire que la vie, c'est il faut sortir de la maison. Tu ne connais jamais là où tu n'as pas de chance de sortir. Un petit geste comme ça, là. Voilà la jeune fille avec la star. Est-ce que c'est facile? Pour ne pas vous mentir, quand on a atteint un certain niveau de célébrité, même les membres de sa famille n'ont pas accès à toi. Et donc, pour que quelqu'un t'intéresse même, pour que tu mettes ta photo, tu ris avec lui comme ça, là. Il faudrait que quelqu'un la trouve quelque chose autre que l'argent. Parce qu'il y a aussi certains qui ont limité leur vie sur l'argent dans le DOC aussi. Tout pour eux, c'est que non, ils veulent que l'argent. Non, non. Les gens même qui ont l'argent recherchent des personnes qui sont loyales. Et quand vous regardez le geste de la fille lors de cette situation-là, vous sentez que c'est quelqu'un que d'abord, elle était présente. Le moment-là qu'elle vivait, son esprit était là. Et c'est ça qui est récompensé, comme vous voyez là. Et donc, de grâce, quand vous êtes en train de faire quelque chose, donnez-vous. Donnez-vous à fond. Ça n'a jamais menti. Et ça ne mentira jamais. Lorsque vous vous donnez à fond, il y a une grosse probabilité, mais alors très grosse probabilité, que l'âme de la personne qui est concernée serait touchée. Et c'est ça le plus important. Quand l'âme de quelqu'un est touchée, vous avez gagné le joker. Félicitations, maman, vraiment. Le sourire d'abord très beau. Quel que soit ce que vous vous êtes dit et la suite, nous, on prend seulement acte. Le Cameroun n'a perdu que de ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 5 victoires, 5 matchs nuls. Les dernières défaites de Lyon Indomptable remontent à la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal et au Nigeria. Vous pouvez vous imaginer à qui on attribue ces 2 défaites-là. Bref, on ne va pas appeler les noms pour ne pas faire les jaloux. C'est maintenant un peu facile d'attribuer la performance de Christian Bassogo à Samuel Eto'o. Or, est-ce qu'on peut se dire que c'est le même Samuel qui lui est tenu hors des vestiaires de Lyon Indomptable pendant un bout? L'histoire remonte en 2017. Et Bassogo avait révélé que Samuel avait dit que joue sans réserve chaque match est comme une finale pour un joueur qui va aller loin. Ben, c'est le conseil qu'on dit à tout le monde. Et si vous voyez même le jeune Badeba, c'est qu'hier, il n'a pas été à la hauteur de son talent. Mais chaque joueur, chaque personne, chaque individu qui fait quelque chose, eh bien, à chaque performance, il devait se dire en réalité que voici le secret. Sans ça, je perds ma référence. Bassogo, félicitations encore. C'est très facile de vite rejoindre, chercher le lien entre ta performance et Samuel Eto'o. Ben, je sais quand même qu'il n'est pas mal placé pour te montrer comment jouer. Mais je n'ai pas également oublié le fait que dans son système de continuité dans l'équipe nationale, il était beaucoup plus dans un système d'aller chercher les binationaux en négligeant les talents que vous êtes. Voilà.